Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport. Bienvenue dans cette revue de presse de Grégoire Omnisport officiel. Guardiola est élu entraîneur de l'année en Premier League devant Jurgen Klopp, donc c'était évident. Donc le vainqueur de la Premier League, Pep Guardiola, a été nommé entraîneur de la Premier League cette saison. Donc Guardiola, mon meilleur entraîneur Premier League cette saison. Klopp Modiel, deuxième, Cristiano Ronaldo. Selon le président du Napoli, Cristiano Ronaldo, mon entraîneur de la Juventus de Turin. Cristiano Ronaldo, mon classé. Moi, c'est le vrai entraîneur de la Juventus de Turin. Le président Napoli, Aurelio De Laurentiis, donc Barça PSG. Falle Griezmann, Didem. Donc, nous sommes tous les plus proches du FC Barcelone, mais bon, il n'y a rien d'officiel. En tout cas, Griezmann va quitter l'Atlético Madrid, mais il faut aller Barça ou Paris Saint-Germain. En tout cas, Barça le gagne, mais les fans du Barça ne sont pas emballés par l'arrivée d'Antoine Griezmann. Donc, Mundo Deportivo a fait un sondage donc où 53% des votants étaient défavorables pour à l'arrivée de l'international français Antoine Griezmann. Donc, l'Atlético Madrid serait-il intéressé par James Rodriguez? James Rodriguez, mon bon joueur, il est en dinañ ko courtiser bu baax baax ci mercato bi parce que yakaruma né Zidane nako soxlo wat Real parce que Zidane sax mo taxone ñu alko Bayern. Donc je pense que peut-être Paris Saint-Germain wala Atlético Madrid dina mëna nek point de chute pour James Rodriguez, d'autant plus que Griezmann muy quitté James Rodriguez, donc a à peu près le même profil, belle patte gauche, donc il peut bien jouer au Real Madrid. Zidane veut se débarrasser de 13 joueurs, donc Zidane donc dafa bëgg donc éliminer 13 joueurs. Donc après l'arrivée de Eder Militao, donc et après avoir bouclé le dossier Eden Hazard, donc bientôt les dossiers Paul Pogba, Donny Van de Beek, Lucas Hurt, Sadio Mané, entre autres. Donc amna joueurs yo xamné Zidane bëggulén comme Gareth Bale, Dani Ceballos, Marcos Llorente, Gareth Bale aussi, donc mu ngi ci liste des départs. Donc c'est clair que du yombu, il y aura beaucoup de joueurs qui vont donc quitter le navire parce que Nacho aussi, donc Zidane néna bu côté, donc qui le gëna bëgg moy le joueur espagnol Jesus Vallejo, donc Théo Hernandez aussi, James Rodriguez, Martin Odegaard, Mateo Kovacic, Oscar Rodriguez, Borja Mayoral, Raúl de Tomás, Sergio Reguilón, donc ñoo ñëpp et donc Brahim Diaz, Isco, Mariano Diaz, Lucas Vazquez, joueur yu Zidane bëgg tu leen dañ bëgg rahas indi ay yenen joueur. Donc mercato toujours. Le Bayern de Munich veut rapatrier le roi Sané. Donc le roi Sané, bien entendu, Manchester City, mais nekul titulaire indiscutable. Raheem Sterling et Bernardo Silva actuellement sont les premiers choix. Mort Bayern, nous avons rapatrier l'ailier de 23 ans. Donc il a été autorisé à discuter avec les dirigeants bavarois. Donc City permet Nenko de discuter avec les dirigeants bavarois pour retourner en Allemagne. Donc c'est sûr que Guardiola actuellement il est donc d'accord pour un départ de donc le roi Sané. Donc le Paris Saint-Germain veut coiffer au poteau l'FC Barcelone. En ce qui concerne Antoine Griezmann, donc le transfert de Matthijs de Ligt au Barça devrait se concrétiser rapidement. Donc c'est clair que donc Matthijs de Ligt va rejoindre le FC Barcelone. Donc Philippe Coutinho, le clan Philippe Coutinho entre en guerre avec le FC Barcelone. Donc néna ni traité Philippe Coutinho, c'est pas normal. Ñu koy donc atteignaka diko xex. Donc c'est que le clan Coutinho tape du poing sur la table. Donc do rañ sé loxo ci table bi né il faut que a gars yi respecté Philippe Coutinho. Donc Jean résiste contre Moïse Kean, Cagliari pas sanctionné. Donc Cagliari donc qu'est-ce qu'il sanctionné ko après les Jean résiste devant Moïse Kean. Donc résiste mom fa la ci Italie yakaruma né dina gawa jeex fofu. Donc Paris Saint-Germain ñuy bëgg shipper donc une pépite de Manchester United, donc Angel Gomez, donc c'est un jeune joueur de Manchester United. Donc Paris Saint-Germain ñuy jëm xol nan lañ koy jëm lidjenté indigo parce que c'est un joueur né après le 1er janvier 2000. Donc là, c'est le plus jeune joueur à avoir foulé les pelouses de Premier League donc ce dimanche. Donc c'est sûr que Manchester United du yombu pour un boy boy bi parce que boy aussi c'est un grand espoir du football mancunien malgré sa petite taille 1m68 et son donc physique petit, donc 55 kilos, le talent parle et visiblement les clubs européens n'ont qu'à y tchoitou. Donc ça sera donc un dossier à suivre pour ce jeune joueur Angel Gomez. Donc mon Paris Saint-Germain n'ont qu'à y tchoitou, Paris mon, de y jende rek, mais après bon jende aussi, donc n'ont qu'à y gérer comme le cas. Donc comme le cas Leandro Paredes, Lampard n'est le choix d'Hazard doit être respecté par Chelsea. Donc Lampard, donc légende de Chelsea, n'est le choix d'Hazard bi gars wa Real ding ko wara respecter. Lampard n'est je dirais qu'Eden Hazard au cours de cette 7 années qu'il a passé à Chelsea est devenu l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du club sans aucun doute. Donc a déclaré donc l'entraîneur de Derby County, donc Lampard, c'est clair que il est d'accord pour un départ de
Eden Hazard parce que il a été loyal, donc défendre les voir, donc il est temps que nous changer destination, donc coup de gueule de Mario Balotelli après donc le match Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille. Les arbitres français sont les pires, donc Balotelli m'a crié son rabble, mais Balotelli, il faut que Marseille défendre l'équipe B, comme ça il va revenir au plus haut niveau. Donc Barça plus touché que jamais, Messi en voudrait aux supporters. Messi n'est supporter ni réagirait d'accord. Donc Messi ne comprend pas les soufflets pour Busquets et aussi pour Philippe Coutinho. Donc Messi, donc il est un peu choqué par les sifflets donc envers Sergio Busquets, une légende du club et le meilleur milieu de terrain actuellement hein, donc de la sélection espagnole. Donc Messi est choqué par les sifflets du Camp Nou envers Busquets et Philippe Coutinho. Donc Zidane a désigné donc Thibaut Courtois comme numéro 1 pour la saison prochaine. Donc c'est clair que Navas va quitter le Real Madrid à la fin de la saison. Donc c'est clair, Navas, c'est la fin de l'aventure de Zidane. Donc Dom dit le bug def deuxième goal. Donc Lucas Zidane, le bug def deuxième goal. Comme ça, il va suppléer des fois Thibaut Courtois. Donc l'Olin Indolol par rapport à cette revue de presse de Grégoire Omnisport de ce mercredi 15 mai 2019.